D'abord, c'est un honneur pour moi d'avoir été sélectionnée. Et aussi, c'est... comment dire? Ça me permet en fait de montrer ma recherche à d'autres femmes, à d'autres pays. Et ça me met un peu cette pression-là. Parce que là, je me dis que là, maintenant, il faut que je sois un modèle pour les jeunes filles qui doivent faire de la science. Je travaille sur le développement des biopesticides à base d'extraits de plantes, à base de bactéries et aussi de champignons. Mais ces bactéries et les champignons sont dites des bactéries et champignons bénéfiques. Et donc, j'essaie de faire des méthodes de lutte pour lutter contre les champignons qui attaquent les ignames. C'est parti dès le bas âge. Et il y a mon père qui avait une plantation et qui était de mangue. Et cette plantation était attaquée par des champignons, mais en ce moment-là, on ne savait pas. Et il y avait une baisse de la production au fur et à mesure que les années avançaient. Et dès lors, j'ai voulu savoir pourquoi est-ce qu'il fallait, pourquoi est-ce que ces mangues étaient attaquées, pourquoi la production baissait. Donc c'est depuis là que je me suis consacrée, ou bien j'ai aimé les sciences.